Et oui, les prisonniers faits. Enfin, les prisonniers faits. Et d'autres étaient la grande prison d'Abbès. Et puis ensuite, derrière, il y avait Tinga, qui est une ville romaine bien conservée, et dans laquelle il y a la cathédrale du 5e siècle, qui était, et il y a encore, le logis de l'évêque donatiste. Donc le donatisme s'est développé pendant tout le 4e siècle. Parce que pendant longtemps, tant que les chrétiens n'ont pas été maîtres du jeu, enfin les Romains chrétiens n'ont pas été maîtres du jeu, les donatistes ont eu leur chance. Mais à mesure que ça s'est renforcé, le christianisme, après, on a commencé à les poursuivre. Alors, Augustin d'Hannon les a poursuivis par la parole. Par la parole, mais Augustin était toujours... Augustin était toujours hostile à la persécution des donatistes comme à la persécution des juifs à Milan. Mais, et en plus, il y a eu une deuxième révolte sociale des Berbères au 4e siècle contre Rome, parce que les Romains se comportaient en colonisateurs. Les Berbères, c'était les ouvriers agricoles dans les grands domaines, et les Romains, c'était propriétaires des domaines. Comme en Irlande, où les Anglais étaient propriétaires des grands domaines depuis le 16e siècle, et les Irlandais étaient ouvriers agricoles. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les Pax Anglantes en 1916. Donc, en Berbérie, il y a eu le soulèvement au milieu du 4e siècle de ce qu'on appelle les circoncellions. Ça veut dire ce circum en latin, c'est là, c'est lié. Ceux qui tournent autour des celliers, c'est-à-dire les ouvriers agricoles qui rôdent sur les domaines et qui viennent foutre le feu aux celliers la nuit, etc. Bon, donc, c'est la révolte des circoncellions, qui est une révolte sociale, mais aussi une révolte de... une révolte berbère, de... une révolte de nationalisme berbère anti-romain. Donc, à travers le donatisme, qui est une hérésie uniquement africaine. Au début, il y a eu des donatistes un peu à Libye, un peu en Italie, mais ils ont disparu au bout de 10 ans. Et donc, le donatisme a préparé la séparation des berbères du monde chrétien. A préparé la séparation des berbères du monde chrétien, parce que tous les berbères étaient donatistes au 4e siècle, et à la fin du 4e siècle, quand les donatistes ont été réduits comme les circoncellions par les armées de Rome, ils ont été réduits, les berbères, que ce soit pour des raisons d'hérésie religieuse ou de soulèvement social, ils ont été liquidés par le fer et le feu. C'est-à-dire que les armées romaines brûlaient les villages, pendaient les chefs, pendaient les hommes, etc. Et donc vers 400, la révolte des circoncellions a été liquidée, et le donatisme aussi. Les derniers évêques donatistes ont été pendus. Donc, seulement entre-temps, il est arrivé les Vandales. C'est une autre histoire. Les Vandales, ils venaient du Nord. Et les Vandales, c'était des hérétiques manichéens, comme Augustin dans son enfance, dans sa jeunesse. Et donc, parce que tous les Francs étaient manichéens, sauf les gens de Clovis qui étaient païens. Donc Clovis, il n'a pas pu passer directement du paganisme au christianisme. Il a épousé Clotilde et il s'est fait baptiser en 498. Tandis que tous les autres Allemands étaient... pour des raisons historiques, parce que l'arianisme, c'était une hérésie qui était due à un prêtre. En fait, ça prépare l'islam, l'arianisme. C'est ce qu'on appelle la querelle de Nemesios. Arius était un prêtre d'Alexandrie au début du 4e siècle, et, du 3e, oui, du 4e. Et quand il y a eu le concile de Nicée, et qu'ils ont défini le dogme du Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était pas la vision de tout le monde, mais c'était la vision majoritaire à Nicée, donc c'est la vision de l'Église. Et après, Arius a dit, mais non. Il a dit ce que dira Mahomet. Il a dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais c'est un homme. Jésus, c'est un homme, c'est un prophète, c'est pas Dieu. Donc, Onosios, c'est un homme. Et donc, Arius refusait le Saint-Esprit. Et il se trouve que Arius, à un moment, il a failli l'emporter à Constantinople. Il y a eu deux empereurs byzantins qui étaient ariens, et il y a eu un moment où l'arianisme a failli supplanter le christianisme romain. Puis finalement, il y a des Allemands qui étaient à Byzance et qui sont convertis à l'arianisme. Et les moines allemands de Byzance ont transformé toutes les tribus franques, toutes les tribus allemandes en ariens. Les Visigoths, Goths, West, c'est les Goths de l'Ouest. Ostrogoths, qui a donné Autriche, c'est les Goths de l'Est, Ostgoths. Les Vandales, les Alamans, tout ça, c'était les manichéens. Ils étaient chrétiens et hérétiques ariens. Donc, il refusait la divinité du Christ, qui est considéré comme un prophète. Et donc, Mahomet,
sera dans la lignée des Ariens. Il dira, Jésus est un prophète comme les prophètes de la Bible. Et il n'y a qu'un seul Dieu, et Mahomet est son prophète. Donc le dernier des prophètes après Jésus, c'est Mahomet. Et un seul Dieu. Bon. Les Vandales ont traversé la France. Alors ils ont laissé une trace, le vandalisme, parce qu'ils étaient des sauvages. Partout où ils passaient, ils pendaient les curés, ils pendaient les évêques, ils étripaient les religieuses. C'était vraiment des militants de l'hérésie. Heureusement qu'ils ont traversé vite la France et l'Espagne. Et ce qu'ils ont récupéré, c'est dans les Aurès. Ils sont arrivés. C'est pour ça que vous avez des berbères blonds et beaucoup de gens avaient des yeux bleus. Parce que ça, c'est la trace des Allemands. Et d'ailleurs, dans la coutume berbère, il y a le serment collectif pour le droit. Ça, c'est d'origine germanique. Parce que ce n'existe absolument pas dans les droits sémitiques, le serment collectif. C'est germanique. Et le tarif des peines. Le tarif des peines berbères, ça, c'est directement du droit franc. C'est la coutume allemande. Alors, personne n'en a fait la démonstration, mais je ne vois pas comment on pourrait retrouver en Kabylie au 5e siècle des coutumes avec tarification de peines, ce qui n'ont rien à voir avec la loi coranique et qui n'existait pas à l'époque des berbères romains. Donc, ça peut être que les Vandales qui ont fait ça et qui l'ont emmené. Donc, mais les Vandales se sont perdus. Alors, les Vandales, au début, quand Saint-Augustin est mort, il y avait les Vandales autour de la ville. Donc, lui, il ne les a pas vus rentrer, puisqu'ils ont pris la ville un an après sa mort. Donc, lui, il était en train de mourir, ce sont les deux morts en 429 après Jésus-Christ, pendant que les Vandales assiégeaient son archevêché. Puis, il est mort, les Vandales ont pris l'archevêché, et les Vandales ont quand même gouverné la Berbérie un siècle. Mais il n'avait pas resté grand-chose, parce que les Vandales, ils n'étaient pas organisés, un peu bordéliques, comme les Francs. Ben les Francs, avant d'organiser la Gaule, ils ont quand même eu 8 siècles. La Gaule, elle s'est organisée avec Saint-Louis. Clovis, il est arrivé en 481, en France. Et avant qu'ils arrivent à organiser la France, il a fallu attendre le XIIIe siècle, c'est-à-dire attendre les grands rois, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe IV le Bel. Donc il s'est passé 8 siècles avant que les Francs arrivent à organiser le territoire gaulois et faire la France. Donc pendant des siècles, le roi capétien, il ne s'appelait pas Rex Francier, roi de France, il s'appelait Rex Francorum, roi des Francs. C'est-à-dire qu'il était roi d'une bande de guerriers. Et le concept de France n'est né qu'au XIIIe siècle, après Bouvines, quand il y a eu le nationalisme, parce que Philippe Auguste, il a repris Rome, il s'est fait appeler Philippe, il a repris le nom d'Augustus, c'est-à-dire le fils adoptif de César, Philippe Auguste, donc il a repris la vision romaine qu'avait eu Charlemagne en se faisant couronner empereur à Rome en 800. Donc les Francs ont essayé, ils ont retrouvé l'État grâce à Rome. Les Allemands n'avaient pas le sens de l'État. D'ailleurs, regardez, l'État allemand, il n'a jamais réussi à naître, il ne naît que maintenant. Le premier Reich n'existe pas. Le second Reich, l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, qui a commencé à Verdun en 1843 et qui s'est terminé en 1825, il n'avait jamais eu de pouvoir central. C'est la défaite de la France en 1870 qui a permis de faire un Reich républicain qui a duré de Bismarck, un Reich impérial qui a duré de 1870 à 1920, jusqu'à la République de Weimar. Donc les Allemands n'avaient pas le sens de l'État. Au fond, c'est les Français qui ont créé l'État allemand. Celui qui a organisé les Allemands. Les Allemands sont venus en France et ont fait la France. Et celui qui a organisé l'État allemand, sans le vouloir, c'est Napoléon. Les Allemands, ils sont organisés avec la Confédération du Rhin en 1806, qui a été montée par des administrateurs français, amenés par Napoléon. C'est nous qui leur avons expliqué l'État. Et ils ont réussi à faire un État après Sadova et après Sedan en 1870. Donc les Allemands n'ont découvert l'État qu'à la fin du 19e siècle. Donc ce n'est pas les Vandales qui ont pris l'État aux Berbères. Ils n'avaient aucune idée, les Vandales, de l'État. C'est une bande de pillards. Mais ils avaient des qualités, quand même. Les guerriers, etc. Bon, et on arrive à l'islam. Arrêtez là. Alors, l'islam était préparé. C'est-à-dire que les Berbères, qui avaient été à peine pénétrés par la civilisation punique, simplement au niveau des ports, au niveau des élites, les Berbères qui avaient refusé Rome, pour l'essentiel, qu'il avait accepté un temps avec Massinissa, puis qu'il avait refusé et combattu à partir de Jugurtha, et qui même battu n'avait jamais baissé la tête. Ils ont supporté les Romains 4 siècles, mais sans jamais céder. Ensuite, au 5e siècle, je vous dis, ils ont été donatistes, ils ont fait la révolte des circoncellions. Bon, là-dessus, on arrive au 7e siècle, c'est-à-dire après le siècle de Vandales,
vont arriver les Arabes, qui sont des sémites comme les Berbères, comme la plupart des Berbères. Mais ces Arabes étaient islamisés, puisqu'ils arrivaient, c'était les armées. Le général qui a suivi Mahomet au nord, c'est Omar, qui a fait le califat de Damas, et Tariq à l'est, avec Ogba à l'est, avec son adjoint, un Berbère, Tariq, qui a pris l'Espagne. Quand l'islam est arrivé, les Arabes ont été combattus, mais sans jamais beaucoup de conviction. Alors, le combat, oui, je voudrais quand même en dire un mot. Oui, il y a eu une résistance au 7e siècle berbère, qui marquera la personnalité berbère pour la suite, mais une résistance qui sera vaincue. Alors, cette résistance, il y a deux chefs, un berbère et une juive. Donc, en gros, c'est dans les années, cette résistance, c'est les années 650-698, le deuxième moitié du 7e siècle. Donc, est-ce que c'est une juive avec un clan juif? Est-ce que c'est une tribu juive? On ne le sait pas, parce qu'on connaît mal. En tout cas, il est certain que la Kaïna, la prophétesse qui menait les armées berbères, était une juive. Mais elle a été vaincue assez vite. Celui qui a résisté beaucoup plus longtemps, c'est un chef berbère de Kabylie qui s'appelait Koseïla. Koseïla a tenu 18 ans. Il a battu les armées arabes à 4 reprises. En champ clos. Puis, il a finalement été vaincu par des renforts qui sont arrivés d'Égypte. Et il a été tué au combat en 686, à l'extrême fin du 7e siècle. Entre-temps, dans les Berbères, mais dans l'ensemble, cette résistance a été relativement faible. Si vous voulez, c'est drôle, mais les Berbères ont quelque part accueilli les Arabes en libérateurs. On ne peut pas comprendre que les Berbères, qui étaient des combattants fabuleux, soient passés aussi vite à l'islam de force. Surtout que ils étaient à 20 contre 1 contre les Arabes qui venaient, qui arrivaient d'Arabie ou qui arrivaient de Syrie, ils n'étaient pas nombreux, comme les Francs. 80 000 à 100 000, on ne sait pas. Or, il y avait plusieurs millions de Berbères. Donc, Koseïla, c'est la Saint-Gétorix, par exemple. Pourquoi la Gaule est passée à Rome? Mais parce qu'elle était prête. Quand vous regardez réellement ce qu'a été Alésia, et vous pouvez comprendre le monde berbère en voyant ça. Quand vous regardez Alésia, il ne faut pas croire que tous les Gaulois étaient derrière Vercingétorix. D'abord, tout le sud était dans les armées romaines. Les mecs de Montpellier, les mecs d'Arles, les mecs de Marseille, ils servaient dans les légions romaines. C'est connu, ça c'est établi. Donc il y avait tout l'arc méditerranéen, il était supplétif dans les armées romaines. Bon, au nord, les trois quarts ne se sont pas battus. La Bretagne n'a pas envoyé de contingent à Vercingétorix, ni le bassin parisien. Il s'est battu comme Koseïla, avec les plus rudes des montagnards. Koseïla s'est battu avec le noyau berbère, le plus berbérisant de la Kabylie. Donc, les plus durs qui avaient un sens de l'identité berbère, parce qu'il n'y a jamais eu de vision générale des berbères de leur identité à l'échelle des Canaries, à Assiout et du Niger jusqu'à Carthage. Mais en Kabylie, il y avait un nationalisme berbère. Mais Koseïla, c'est le Saint-Gétorix, mais il s'est battu qu'avec une infime partie des Berbères. Et en fait, les Berbères ont été prêts à accueillir l'islam quand ils avaient refusé Rome, et pratiquement ils avaient refusé les Puniques, mais ils ont admis l'islam. Et ils avaient refusé le christianisme de Rome, sauf par les élites romaines de la côte, dont Augustin est le témoin le plus fabuleux à l'échelle historique. Et Augustin, c'est un Berbère, mais c'est surtout un grand chrétien. Et il se trouve que c'est un berbère, mais ça c'est un autre problème. Je crois que ça vaut la peine de le dire, parce que ça explique sa personnalité, son action. Mais Augustin, c'est un homme qui fait partie de l'histoire de l'Église, la catholique, apostolique et romaine. Et l'histoire de l'Église apostolique, catholique et romaine, elle est marginale par rapport à la berbérie. Par contre, parlant une langue sémite, comme l'arabe, ils ont accueilli l'islam comme une libération. Et l'ensemble des berbères s'est islamisé, y compris ceux qui ont continué à parler berbère. Et c'est islamisé, ça a beaucoup de problèmes. Au point que la continuation du djihad a été faite par les Berbères et pas par les Arabes. Les Arabes ne pouvaient pas prendre l'Espagne parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux.
les Arabes qui avaient réussi à traverser la Cyrénaïque et la Libye se sont perdus en Tunisie. Et la plupart est restée en Tunisie. Et avec Ogba qui a fondé Kairouan en 675. Donc, Tariq, il est parti, il a recruté des berbères islamisés tout au long de la route. Ces types, c'était des va-du-pieds, mais des combattants fabuleux. Ils ont traversé le détroit de Gibraltar et personne ne s'y attendait. Et ils sont arrivés à Guadalete en 711, c'est-à-dire 36 ans après que Kairouan ait été fondé. Et il y a eu la fameuse bataille des trois rois, c'est-à-dire les trois grands rois d'Espagne, la Castille, l'Aragon, et le roi d'Andalousie qui était des Visigoths, ariens, comme les Vandales, que Clovis avait chassés de France, et qui s'étaient christianisés vers 650, donc 60 ans avant la bataille des trois rois. Donc le roi Visigoth d'Andalousie, le roi du Léon, le roi de Castille et les rois d'Aragon ont été battus à Guadalete en 711 à l'étonnement de l'Espagne et brusquement les Berbères qui étaient l'essentiel de l'armée de Tariq qui ont donné le nom à Gibraltar, ils se sont retrouvés et ils ont continué à avancer, ils sont arrivés à la frontière pyrénéenne vers 720, 727, ils sont arrivés à Bagolog en 725, où ils sont installés, ils se sont assez bien entendus avec les gens, et ils ont fait souche à Bagolog. Dans Bagolog, à Palavas, là, il y avait moitié berbère, moitié islamique et moitié chrétien. Et puis ils ont continué, parce qu'il ne faut pas exagérer, même pour les amoureux de Charles Martel, ouais, c'est un bon combattant, enfin quand même, il n'y avait pas de millions de mecs à Poitiers, il y avait au maximum 2000 cavaliers berbères, et 3000 fantassins, dont les Francs les ont liquidés et les ont ramenés, puis ils sont arrivés à Maguelone et le chroniqueur dit « c'était bête de sang, ils ont tué tout le monde ». Charles Martel, il a battu les avant-gardes de Tariq à Poitiers, puis il est redescendu, quand il est arrivé à Maguelone, il a tué tout le monde, les chrétiens et les musulmans. Bien avant qu'un pape dise, quand on a massacré les cathares de Béziers, il reconnaîtra les siens. Déjà, il y a eu cette version. Donc, ils ont été ramenés par Charles Martel sur les Pyrénées vers 750, après avoir massacré à Maguelone. Et là, ils sont restés 50 ans là, termine l'avancée, et ils ont occupé Barcelone 50 ans. Ensuite, le comte Guillaume, qui était un franc comte de Charlemagne, celui qui a fait Saint-Guillaume-des-Déserts, Guillaume, qui était comte de Toulouse, a repris Barcelone en 803 et a ramené les Arabes sur les Berbères sur l'Ebre, où ils sont restés face à face 4 siècles, de 800 à 1200. C'est pour ça que les Catalans, les Barcelonais, c'est des Catalans qui ont 50 ans d'imprégnation islamique. Et les Valenciennes, c'est des Catalans qui ont 450 ans d'imprégnation islamique. Parce que la reconquête commencée par Guillaume s'est arrêtée en 804. Après, il a quitté les armes avec son copain Benoît. Ils sont venus ici, ils ont fondé Saint-Neuve, puis ils sont allés fonder Agnan, Saint-Benoît d'Agnan, et puis ensuite Guillaume s'est retiré au désert et a fondé l'abbaye de Saint-Guillaume-du-Désert, etc. Et donc, les musulmans ont occupé la moitié de l'Espagne il y a 4 siècles. Et la reconquête n'a commencé qu'en 1200, avec Règle le Conquérant, qui est né rue de l'Ancien Courrier, qui était le fils de Marie de Montpellier et de Pierre II d'Aragon. Bon, les musulmans, je termine, et les berbères. Alors les berbères, ils ont fait un empire berbère, sous un nom arabe. C'est là quand même qu'on voit la tolérance. Parce qu'on ne peut pas comprendre les Almoravides et on ne peut pas comprendre Cordoue et Grenade si on ne voit pas que les Omeyyades en question, c'est un prince Omeyyade sur un monde berbère. Et les Almoravides, c'était un empire berbère. Donc, ils ont été étonnés leur victoire, les berbères, à la bataille des Trois Rois en 711. Ils n'avaient pas de fief. Alors, il y avait une princesse berbère, elle avait épousé un Omeyyade de Damas, et qui, par chance, n'a pas été massacrée, parce que quand les Abbasides sont arrivés, ils ont rassemblé tous les princes Omeyyades, bon, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de traces, donc on a coupé la tête à tout le monde, il y en a un qui s'est caché à l'Échiote, c'est celui qui avait épousé la berbère. Donc, on l'a rapatrié de Damas, et on lui a dit, tu vas être calife, donc ils ont monté un califat hérétique. Parce que pour le califat Abbaside de Bagdad, les Omeyyades de Cordoue, c'était des hérétiques, dont les Marocains sont les héritiers. Parce que le roi du Maroc, sa force, c'est qu'il est chef du Maroc, mais commandeur des croyants. À la 8 descendant d'Ali, le mari de Fatima.
Et les Marocains n'ont jamais reconnu ni le califat de Damas, ni celui de Bagdad, ni le califat de Constantinople du temps des Turcs, du temps d'Istanbul. Parce que les Turcs n'ont jamais conquis ni le Maroc, ni l'Oranie. Quand les Turcs ont avancé les Fatimides, je n'ai pas le temps, et puis surtout les Turcs eux-mêmes au XVIe siècle, ils ont conquis la Cyrénaïque, ils ont conquis la Tunisie, ils ont conquis Oran et Alger. Et ils se sont arrêtés au bout de la corniche des Daras, après Cherchel. Et donc l'Oranie est restée rattachée à l'Empire almoravide, à l'Empire almohade du Maroc. À l'Empire almohade du Maroc. C'est pour ça que les Marocains disent que Colombéchard est Marocain, parce que c'était l'Empire almoravide. Et les Algériens, ils disent que c'est Algérien, moi je ne m'appellerai pas, je ne trancherai pas. Mais je m'en fous, de toute façon, tant que l'armée marocaine est chez les Sahraouis, le roi est tranquille. Hein. Il vaut mieux ça que d'avoir les cadets à l'intérieur du palais, ou d'avoir les mirages autour de son avion. Vieille histoire. Bon, je ne me rappellerai pas, mais que tous les Français d'origine marocaine connaissent par cœur, par leurs parents ou par eux-mêmes. Bon, donc, j'ai terminé. Donc, on arrive à ce moment-là à l'islam. J'avais décidé de m'arrêter à l'Empire romain. Donc, l'islam, c'est un islam. Alors, un mot quand même des berbères en Espagne, c'est quand même la suite. Bon, donc, ce califat omeyyade, il s'est créé vers 750, hein, 40 ans après la victoire. Et il a duré, sous la forme omeyyade, il a duré environ 150 ans. Et puis après, les Almoravides, qui sont des berbères marocains, ont envahi le califat omeyyade et ont succédé. Les Almoravides étaient de haute culture. Et là, on dit que les berbères n'ont pas de culture romaine. Pas tout à fait. Ils avaient quand même remarqué le volubilisme. Hein. D'ailleurs, les Idrissides ont fait leur capitale, Moïse Ismaïl, pas loin de Volubilis, à 5 km. Alors, ils ne pouvaient pas ne pas avoir vu l'architecture romaine. Et quand ils ont fait la mesquita à Cordoue, les berbères marocains, les Almoravides, qui est un des plus beaux monuments de l'histoire de l'architecture mondiale, avec le Taj Mahal et le Parthénon. Quand ils ont fait la mesquita de Cordoue, indiscutablement, ils se sont inspirés de l'architecture romaine et hellénistique. L'arc. On dit l'arc arabe. L'arc arabe. Les Arabes, ils ne pouvaient pas avoir l'architecture, les Arabes, ils vivaient sous la tente. Non, ils n'ont jamais rien construit, comme les Juifs. C'est pour ça que les Arabes, ils se foutent des mosquées. L'autre jour, il y avait des journalistes, une famille qui me disait, elle m'a appelé pour la mosquée Lafayette, elle m'a dit, alors, monsieur le maire, ça va ressembler à une mosquée, là, c'est tout. Ah, je lui dis, pourquoi ça ressemble à quoi une mosquée? Je lui dis, vous avez vu une mosquée chinoise? Vous avez vu une mosquée turque? Vous avez vu une mosquée algérienne? Vous avez vu une mosquée indonésienne? Et vous pouvez me dire quelle est la mosquée type? Mais je lui dis, une mosquée en Chine, ça ressemble à un bâtiment chinois. En Turquie, les mosquées, ça ressemble au Panthéon romain, recopié par Justinien, cette Sophie, et qu'on copie ensuite des architectes juifs convertis à l'islam, Sinan, au XVIe siècle, et qui a fait la mosquée bleue, la Souleymaniye. Et ils ont fait des minarets pour les clochers. Hein. Et comme on a fait des minarets, on a fait des minarets comme ça, parce que Mahomet, les minarets, on a copié le clocher, mais en violent. Parce que si vous lisez les hadiths, vous savez, à un moment, Mahomet, il était parti de chez lui, et donc il était à la ville à côté, ils ne se connaissaient plus. Alors ils discutent entre eux, et ils disent, et comment on va avertir les gars? Ils disent à la main qu'on était en ton copain, on les connaissait, on pouvait les appeler à la prière, mais là on ne les connaît pas. Alors il y en a un qui dit, eh ben, on va faire comme les Juifs avec le chauffard, ça s'entend de loin. Alors il y a l'autre qui dit, mais non, on ne va pas faire comme les Juifs quand même. Hein, c'est pas méchant, mais enfin, on ne va pas faire comme les Juifs. Bon, il y en a un autre qui dit, on pourrait mettre des cloches, comme les chrétiens. Alors, il dit, non, des cloches, on ne va pas faire comme les chrétiens. Bon, mais il y a un esclave noir qui venait être libéré, qui avait été passé à l'islam. Il dit, moi, je parle fort, il n'y a qu'à gueuler, on va les appeler. Ouais, mais il y a un type qui dit, mais si tu gueules en bas, on ne va pas t'entendre. Il y en a un qui a dit, il n'y a qu'à prendre le clocher, vous le mettez en haut, il appelle. Mais il l'appelle, l'appelant. Bon, on avait trouvé le minaret, c'est un clocher, où il y a une cloche, il y a un mec qui crie et qui appelle à la prière. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Bon, donc il n'y a pas d'architecture arabe, il n'y a pas d'architecture arabe. Parce que les Arabes, ils ont des qualités extraordinaires, c'est un peuple extraordinaire. Ils ont inventé les dieux. Mais dans le désert, ils ne construisaient rien du tout. Et ils se baladaient les chameaux, ils regardaient la lune et les étoiles et ils passaient à Dieu et aux femmes. Bon. Mais l'un et l'autre. Ça va, ça vient, etc. Et d'ailleurs, ceux qui ont battu le Dieu unique, c'est des mecs qui vivent dans le désert. Ne vous étonnez pas. D'où viennent les religions uniques? Elles viennent d'Assou, du désert égyptien, un tâton.
elles viennent de Moïse dans le désert du Sinaï, elles viennent de Mahomet dans le désert. Donc, c'est les contemplatifs qui ont inventé les dieux. Et le Dieu unique. C'est les contemplatifs. Et c'est les gens du désert. C'est les gens du désert qui ont inventé les dieux. Après, ça a été repris par les paysans, les bouseux et les gens des villes. Hein, mais c'est une autre histoire. Donc, les Almoravides, c'est le miracle de Cordoue. C'est d'ailleurs que ces Berbères étaient tolérants. Ces Berbères étaient tolérants. Parce qu'ils avaient eux-mêmes des traditions qui étaient proches de l'islam, mais qui étaient différentes. La coutume berbère, le serment collectif, je l'ai dit, le tarif des peines, c'est totalement différent de la loi coranique. Et à mon avis, ça vient des Vandales. Je ne vois pas très bien d'où ça pourrait venir d'autre que des Vandales, parce que ça ressemble au droit coutumier allemand, certaines des transberbères. Alors après, on a dit, les Berbères, leur spécialité, c'est d'adorer les sels, les marabouts. Ça, c'est faux. Plus personne n'y croit, parce que les Arabes aussi ont des marabouts et des saints, et c'est pas du tout. C'est un peu plus fort peut-être chez les Berbères, mais pas tellement. On peut trouver dans des pays arabes où il n'y a pas de Berbères, des coutumes de saints, etc., une religion proche de la nature. Bon, par contre, ce qui est probablement plus différent des Berbères, c'est les cultes de la nature, l'animisme, parce que les Berbères sont quand même dans des régions où il y a des sources, où il y a de la verdure, ce n'est pas des gens du désert. Enfin, je parle. Parce que les Berbères, je n'ai pas le temps de vous dire, vous savez, il y a Berbères et Berbères, mais ceux du désert sont minoritaires. Les Touaregs, c'est des Berbères, ce n'est pas les anciens des Berbères. J'ai là la classification par Ibn Khaldoun au XIVe siècle, mais elle a varié. Hein. Vous aviez les Berbères de l'Est, c'est le Louata, alors ça c'est la Cyrénaïque, la Tripolitaine, le Djérite, les Orestes, j'insiste pas, ceux qui nous intéressent, c'est ceux de l'Ouest, les Branès et les Enata. Pour l'essentiel des Berbères berbérissants, c'est les Branès. Alors les Branès, c'est ceux qui s'appelaient eux-mêmes Ibaziyed, ce qui veut dire les hommes libres, les nobles, les hommes libres. Et ce sont les plus vieux des Berbères, et les plus solides aujourd'hui. C'est ceux qui sont, ils sont musulmans, mais de culture berbère, et de parler berbère. Et ils étaient divisés en Magmouda. Alors je ne sais pas si je prononce bien le berbère. C'est les sédentaires du moyen du Grand Atlas, et puis les Sahendja, les Isnagan, qui sont les sédentaires de Kabylie, les Kotama et les Gomara dans le Rif. Et puis les derniers Sahendja, c'est les grands nomades du désert, du Sahara occidental, les seuls qui aient conservé l'alphabet berbère, le Tifinag, et qui l'écrivent. Alors cette classification n'a pas vraiment duré, mais elle existe. Et donc, pour finir, comment a fini l'empire berbère d'Almoravide, qui a été un empire tolérant, parce que sous les grands califes almoravides, s'est fait, grâce aux berbères, c'est les berbères qui ont créé la première université d'Occident, à Fès, la Caroline. Et donc, ils ont amené la culture de l'Orient d'Alexandrie à Fès, ils lui ont fait gagner 4000 km. 4000 km. L'Orient s'était rassemblé de 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus, dans deux grandes bibliothèques. Pergame, qui est à côté d'Éphèse, aujourd'hui en Turquie, on a inventé le parchemin, Pergamon, et Alexandrie. Et les Berbères, les premiers, avant Bologne, ont amené la culture de l'Orient en Occident et ont créé la Caroline sous Charlemagne. En 804, qui existe toujours à Fès, chez les Faciles. Et ensuite, ils ont créé l'enseignement. Et on ne peut pas comprendre Cordoue et l'arrivée de la pensée grecque. L'arrivée de la pensée grecque, le rationalisme grec, est arrivé dans les religions du livre à Cordoue au 12e, 13e, à travers un juif, Maïmonide, qui écrivait avec des caractères hébreux, mais en arabe, et qui a introduit la raison grecque dans le Talmud, ça s'appelle la Kabbale. Ensuite, il y a eu à Bologne, et ensuite, grâce aux Arabes, grâce aux Berbères de Sicile, et au roi normand de Sicile, Thomas d'Aquin a appris la rationalité grecque chez les professeurs arabes de Naples, de Salerne et de Palerme. Ensuite, il est venu l'enseigner à la Sorbonne, au XIIIe siècle. Et il a introduit la rationalité grecque dans la théologie catholique. Mais il a mis 6 siècles à percer. Il sentait encore le souffle en 1945 à la faculté de théologie de Paris. Et il a fallu Théliard de Chardin
dans la deuxième moitié du XXe siècle pour imposer Thomas d'Aquin et la rationalité grecque. Et les musulmans, c'est ça le problème. C'est parce que les musulmans qui avaient été les Arabes, qui ont éclairé l'Occident du 8e au 13e siècle, qui ont amené la rationalité antique, la médecine grecque, qui l'ont ajouté la médecine orientale, qui ont développé le droit, la littérature et la culture, le 13e siècle iranien où les femmes étaient poètes, les femmes musulmanes, et libres, et non voilées, etc. Tout ça s'est arrêté parce que le monde musulman a été tué à l'est par les Turcs. Ceux qui ont détruit la civilisation arabe, c'est les Turcs, c'est pas les Anglais ou les Français. Les Anglais ou les Français sont arrivés en Orient 6 siècles après, et les croisés sont arrivés après, 1 siècle après. Ceux qui ont tué le califat Abbaside de Bagdad, c'est les Turcs Seljoukides, c'est-à-dire entre 1050 et 1150. Et ils ont mis leur siège à Konya, au milieu là où il y a les derviches tourneurs aujourd'hui, en Turquie, vers 1250. Et après, ils ont pris Byzance en 1453. Dans le monde arabe musulman, les Omeyyades, les Abbasides, ils ont disparu, en 1200, ils ont disparu. Après, ils ont été colonisés par les Turcs, puis les Français.